Eh bien merci, je sais qu'il n'y a pas de son. Mais bon, maintenant il y en a du son. Du coup, oui. Je vous disais donc... Ah, elle s'est tirée, magnifique. Bon bah, on va prendre la route et puis on va se diriger vers là-bas. Je vous disais, du coup, je pense que je garderai l'exploration, le secondaire et tout ça pour moi. Je le ferai en off, ça me permettra de jouer au jeu sans flinguer l'histoire. Et pour ce qui est de l'histoire, on la fera du coup probablement ensemble. Voilà. On fera l'histoire ensemble et après, bah voilà. Petite baisse de framerate là. Petite baisse de FPS en 2-2 là, pas agréable. Alors. Ce bâtiment est clairement différent du reste. D'accord, d'accord, je regarde. Un autre éclat. Je vois où est-ce que ça ramène. Je suis tout au-dessus. Alors ça c'est beau, mais... D'accord, c'est juste du paysage en fait. Et ça me ramène ici. Ah, pas que. J'ai le droit de prendre mon coffre tranquille, non mais oh. Alors, couleur de Kashyyyk. Ok, et donc là après, bah, c'est le décès quoi. Fort bien. La mort. Et là-haut, on est d'accord que... Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chaos. C'est de là où j'arrive de toute façon. Allez, on va se diriger vers la suite. On a quand même fait pas mal de secondaire. Enfin, pas mal. On a fait un petit peu de secondaire. On va se diriger vers le principal. J'ai besoin d'un coup de main. Ok, attends. Jette un œil, Billy.
Je m'occupais de toi. Bouge pas. Ah, je peux pas. Bah ouais. Eh, salut. C'est qui toi? Allez, sale bête. Bouge-toi. Coupe-le, on verra bien. De la gorge déterrée, hein. Et vous tenez toujours debout? Les gens font pas long feu par ici. Et quand je vois la tête que t'as, je me demande comment toi tu fais pour être en vie, quoi. Pas le genre de comité d'accueil auquel je m'attendais. Un bon verre vous ferait du bien. Ouais, merci, je vais boire de l'eau. Allez au Pailoun. Monk vous préparera une boisson. Bois de l'eau. Merci du conseil. Merci pour le à boire, du coup. Ah, allez, on traîne pas, va. On traîne pas, mais je vois des trucs qui brillent partout. Enfer et damnation. Qu'est-ce que ce sera quand tu seras sur Dying Light? Le moindre... T'appuies sur... Ah, il y a 40 000 trucs qui s'activent autour de toi, donc ok. Ah, moi, je vois plein de trucs qui brillent. J'ai envie d'aller chercher là-haut, du coup. Par là, je peux, peut-être? Ah non, bah non, pas du tout. Ça s'enfonce. Écoute. Et ça s'enfonce profond en plus. Allez, je... Estime-toi heureux de pas avoir d'odorat, BD. Diantre. Quel est cet endroit d'infamie? Ouais, salut. Plus tard. Ah, ça m'a viré mon Iron Man, mon Iron BD1. Ah, tristesse. Bon, par là, tu peux le remettre. C'est comme s'il avait totalement disparu. Je préfère ce truc de base. J'en suis plutôt fier. Attends. Est-ce que juste quelques lignes jaunes ne seraient pas suffisantes, du coup? Comme ça, il est classe. Comme ça, là? Ou avec tout en rouge avec quelques lignes jaunes? Tout en rouge. Tout en rouge? Ouais. Comme ça? Avec quelques lignes jaunes, juste? Ça a l'air sympa. Je sais pas, mais je trouve que les lignes jaunes en plus, ça fait bizarre. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Comme ça? Moi, je trouve que c'est trop, justement. À la limite... Bah non, là, il est fou rouge, là. À la limite, comme ça. Celle-là, elle rend moins dégueulasse, peut-être, de ligne. J'aurais plutôt dit l'inverse, quand même. Les autres que j'avais mis d'abord? Ouais. Celle-là, je trouve que c'est vrai qu'elle fait bizarre, celle-là. Celle-là, c'est mieux. Il y a sur le haut de sa tête, sur le dessous, et son... Bah, Iron Man, quoi, le cœur. Ouais, je trouve que celle-là, elles sont mieux. Parce que les autres, je trouve qu'elles sont... Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elles sont bizarres. Je vois. Prêt à leur montrer ton nouveau style, BD? Bon, du coup, faut que je reprenne la quête et tout. Attends, parce que... Qui a tué Vador? Ah, déjà? Ah oui, quand même. Hey,
J'ai une proposition pour vous. Ouais, vas-y, cause. Vous voulez faire l'affaire de votre vie? Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas. Je te domine, femme. Exactement, petit droïde. Ça pourrait être le début d'une tragédie. Comme beaucoup de choses sur Kobo. Baisse les yeux. De la priorite. La mine en est pleine. Par contre, avec des cheveux un peu longs, ça nous ferait un petit Obi-Wan là. Là, c'est sérieux. Obi-Wan au miroir. La barbe, j'aime beaucoup comme ça, moi. La barbe longue comme ça, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, comme ça, je suis sûr que ça save au moins. Bon, c'est reparti. Sauvegarde, mais ça fait troisième fois que tu regardes, tu sauvegardes. Ouais, mais ouais, super. Ça va faire du bien de revoir Grise. Ça me faisait un bail. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant. Serré et bloqué dans le passé. Et Mérine en errance. C'est de l'histoire ancienne. Ils ont pas l'air très sympas. Je peux pas passer. Ouais, d'accord. Bazar, il est blindé de yeux, quoi. Ah bah on dit que les ennemis ont des oreilles, bah ils ont aussi des yeux, ce que je vois. Hein. Ouais. Ah, un petit peu de secondaire là-bas. Et après on va aller voir Grise et je pense qu'on va s'arrêter parce que ma machine commence à un peu trop chauffer. Un peu beaucoup trop d'ailleurs. Dans pas longtemps tu vas recevoir un message de ton système qui va dire tu chauffes, frère. Oui, c'est ça. Je m'ennuie moins que tous les autres. C'est ça. Font dans ce trou perdu. T'as pas de loup. Tu penses la même chose. Qu'est-ce que tu dis? Crache le morceau. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et si ça te plaît pas, tant pis pour toi. Allez, allons voir Grise. C'est ça? Tu pensais pouvoir nous arnaquer? Non, c'était juste un tout petit malentendu, hein? Hey. Lâchez-le. Oh, la prestance avec la barbe comme ça, là? Eh, hey, je vais vous tuer. Garde d'être précis, je vais vous tuer. C'est hors de question. Alors que lui, il a pas du tout de prestance, par contre. Nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une faute. Je croyais que c'était la vraie, Révis, promis. Oh. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards du là-haut. Tuez-le. Ah non! Plus des pièges du chaos, tu fais quoi? Tu deviens un Jedi. Ça suffit. Partez. Oh, le skin par contre. Jedi. Je vais vous tuer. Je suis désolé, le skin du truc magnifique. Rappelle à notre ami. Allez, la lame blanche. Son espèce est censée avoir. La lame blanche même, le skin en bois, il est magnifique. Je suis désolé. Tu veux quoi, toi? Je l'ai esquivé, c'est une blague ou quoi? Ah vas-y, arrive. Bien. Bah alors? Tu n'aurais pas dû t'en prendre au pillard. Surprise. Mmh.
Je suis là. Autre chose ? La prochaine fois que tu veux te battre, viens me trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. On se reverra. Avec plaisir. C'est lui, Thomas. On se reverra. Bon bah, à la mort, quoi. Bon, ça suffit, Turgel. Turgel, viens par ici. Eh oui. C'est vous, Doma ? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi ? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Eh bien dit ! Rien ne te disait à intervenir, et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. Tu la fermes. Ah, la grenouille qui me cause trop, tu sais. Chut, tais-toi. Écrase. Est-ce qu'on t'a donné l'autorisation de parler? Non, donc tu te chutes. Voilà. Merci. N'oublie pas de repasser à la boutique plus tard. Promis. Même pas ça te filant des trucs en échange, super. Qu'est-ce que c'est ? Ils ont même pas, ils ont pas de thunes ou quoi à te filer, non ? Je suis désolé, la barbe elle rend beaucoup trop bien. Ah, elle est classe. Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras, poilu, pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi je te le dis, Monk, ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. On n'a aucun espoir, que dalle, zéro, nada. Ça roule, BD. Attends. Oh. Ça roule, BD. Quoi de notre BD? Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as une sale tronche. Content de te revoir aussi, Grise. Tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis? Le genre impérial. Oh, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le Giro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Rafraîchisse-moi. Je t'apporte un Monk sournois, tout de suite. Sois le bienvenu au Pailoun Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec Monk, on l'a repris à l'ancien proprio, parce que, il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Grise ? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé au Mantis ? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour sauver. Ah, tu enlevais la cam ? Ça a dérapé. Juste pour le... On est en cinématique. J'ai une scène exprès. J'y ai pas pensé jusque là et j'aurais dû. L'empire devient de plus en plus fort. Depuis que l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil.
Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, serrée. T'as eu de ses nouvelles récemment? Merine a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis. Je parlais de serrée. Non. Ça fait un bail. Et toi? Grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hé, Cal, pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis? La galaxie peut bien attendre quelques heures. On devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Grace. L'air d'un pillard. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas de blaster sous mon nez, pas de bouteille renversée, ni de cri de guerre. Oh, et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Cal. Il était temps qu'on ait le nouveau visage en ville. Au fait, moi, c'est Zig. Ravi de te rencontrer. Et toi, tu es? Passe ton chemin, petit. Ok, comme tu veux. Cette scène a vu des jours meilleurs. La fameuse scène des cantines. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. Et là, il y a rien? Là, il y a rien. Ok. On va bientôt s'arrêter, hein, tout le monde. On va bientôt s'arrêter. Voilà. J'ai eu un problème avec Streamlabs pour celui-ci et puis Cam. Non, non. Grise a toujours eu la main verte. Tu sais qui parle aux plantes? Là, j'ai un atelier ici, c'est ça? C'est ça. Là, j'ai un établi là. Là-bas, il y a un plumard. Et ça, c'est quoi? Ma vieille tenue de ferrailleur. Grise avec ça. Ouais. C'est flippant. C'est hors de question. Je me demande comment il a fini ici. Il est ça. Hors de question que je la remette. Regarde, je vais te montrer. Celle-là. La vieille tenue de ferrailleur. Ouais, non. Je préfère bien la tenue que j'ai actuellement, vraiment. Ouais. Clairement. Non, noir, hein. On va rester sur le classico, hein. C'est bien comme ça. On est bien. Bon. Ah, j'avais pas vu ça. Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Grise en profite pour faire de la récupération. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On verra ça plus tard. J'ai vraiment besoin de repos. Bah écoutez... On va d'abord dormir. Et on s'arrêtera juste après. Par contre, je suis désolé avec la barbe s'il rend giga bien. Manque plus qu'une coupe un peu à la Obi-Wan là. Tu causes toujours en dormant, hein? Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé. Boule de poil. Ah. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi? Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu.
On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un gyro par ici? On a largement le temps pour réparer le Mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec Saw Gerrera t'attirer des ennuis? Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est parti chacun de son côté. Oui, parce que je... Écoute... Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Cal? J'aimerais que les choses soient différentes, mais... Tu perds encore des compagnons, et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste. Oh, respecte mon sabre laser tout blanc avec en bois, s'il te plaît. Foyer, Gris. J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux? Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment, tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon, tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Très bien. Viens, je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de change là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le Mantis. Merci. J'apprécie le geste. Cal, il faut que je te dise une chose. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas. Fais attention. Il a des pop? Ah non, il est là. Je croyais qu'il avait des pop. Je dois vider mon esprit. Allez, on va se mettre une petite compétence et on va s'arrêter. Je pense que le mieux, c'est au moins de commencer chaque niveau au premier cran. On les a tous au premier cran. Il en manque un ici, mais tous les autres, ok, on les a tous au premier cran. Parfait.